Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer le flipbook que j'ai envoyé à Christelle de la chaîne Chris Colors qui a lancé donc un concours. Donc c'est un flipbook pour un concours. Quand vous verrez cette vidéo, elle l'aura déjà reçue, elle l'aura certainement déjà montré dans sa chaîne. Donc voilà, donc c'est parti. Donc j'ai mis donc mon flipbook dans cette jolie petite boîte. Enfin, je dis jolie hein, parce que moi je l'aime bien, donc je suis plutôt fière de moi. Voilà, hop. Si jamais vous voulez voir comment je l'ai fait, n'hésitez pas à laisser en commentaire donc que vous souhaitez voir cette vidéo. Je pense que je la ferai, que je ferai une vidéo de toute façon d'ici peu pour montrer comment faire une jolie petite boîte comme ceci. Donc, voilà. Donc ici j'ai mis un brat. Et j'ai mis des petites fleurs en fait en relief comme ceci. Donc, hop, je l'ai fermé avec un scratch. Voilà. À l'intérieur, donc j'ai mon flipbook. Hop, que je vais vous montrer après. J'ai également mis des petits tags avec des brats. Toujours un peu dans le thème de mon flipbook. Donc, c'est un peu le printemps. C'est un flipbook un petit peu... On peut dire un peu shabby parce que c'est dans des couleurs un peu pastel, mais il y a des fleurs, mais il n'y a pas de dentelle. Hein, donc, vous verrez, de toute façon, voilà, c'est... En tout cas, c'est très fleuri. Dans les couleurs un peu violette, violine, prune, rose et un peu de vert. Donc ici, donc, c'est la carte avec mes coordonnées. En fait, je pense que j'en ai un petit peu fait ma signature. C'est-à-dire que chaque fois que je vais envoyer un flipbook ou un gros colis, je vais mettre donc, une petite carte dans un format un peu comme ceci où je vais mettre donc, derrière mes coordonnées. Hop. Et voilà, donc c'est en carton dur, hein, voilà, ça, et également donc un autre petit tag où j'ai donc collé aussi quelques embellissements, toujours dans le thème des fleurs et du rose, voilà, donc je sais qu'elle aime bien en fait, ça c'est un peu style vintage, donc voilà, ma petite boîte, voilà, hop, donc, le flipbook, le voilà. Donc j'ai mis un petit sticker en mousse qui dit « Enjoy every moment here and now ». Donc profite de chaque moment ici et maintenant. Voilà, donc j'ai mis des petites fleurs aussi en relief ici, en papier. Petit sticker, des petites fleurs ici. Voilà, si j'ai mis, j'ai fait une petite attache en fait, où je viens en fait ouvrir mon flipbook comme ceci. Voilà, donc pareil, hein, si vous voulez voir comment j'ai fait ce flipbook, donc notez-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo. Voilà, hop, je pense que je vous ferai un tuto de toute façon pour vous montrer ça et la boîte, mais voilà. Donc si vous me demandez, voilà, je ferai peut-être plus vite. Donc voilà, puis quand on l'ouvre, hop, donc il y a... Alors, pardon, je vais vous le montrer dans l'autre sens, je suis bête. Voilà. Donc, quand on ouvre, on a 1, 2, 3, 4 et ça ouvre encore 5. Voilà. Donc, je commence par le début. Donc, ici, donc, j'ai mis donc, un ATC. Voilà. Que j'ai noté donc, comme thème printemps. C'est la 222. Donc, comme d'habitude, hein, je garde toujours le premier de ma série. Donc là, c'est vraiment juste pour... c'est un ATC. En fait, chaque fois que je fais un flipbook, je mets un ATC dedans. Et c'est un ATC, en fait, qui est en lien avec le thème du flipbook. J'ai fait moi-même petit lacet, comme ça, avec un bout de tissu. Voilà. Et j'ai également mis donc un tag. Toujours dans le thème du livre, avec les mêmes papiers. Donc, où j'ai noté bah, un petit mot pour Christelle. Voilà, donc ici, j'ai collé donc, une feuille avec thème un peu fleuri, aussi violet. Ça, c'est en fait de la, des pochoirs, en fait, où on peut aussi les utiliser. Bah, moi, je les ai utilisés comme ceci pour faire une petite pochette dentelle, un peu comme dentelle. Donc ici, j'ai mis des petits strass. Je sais pas si vous, je pense que vous les voyez bien. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la première pochette. Je remets tout dedans, parce qu'après, je vais l'envoyer. Voilà.
Après, dans le deuxième, donc j'ai mis des petites fenêtres comme ça et des oiseaux. Toujours la dentelle, mais cette fois-ci, je n'ai pas fait de pochette avec. C'est juste en déco, mais par contre, je l'ai utilisé donc pour mettre mon petit cordon en fait, voilà, pour pouvoir attacher. Et du coup, ça fait comme une petite fenêtre, ça s'ouvre comme ceci. J'ai mis des petits sachets de thé, donc je sais qu'elle aime beaucoup la tisane. Je ne sais pas si elle connaît le rooibos, donc du coup, j'ai voulu lui faire découvrir en fait, c'est sans théine, mais ça a un goût très fort, presque comme le thé. Donc je lui ai mis un petit mot en fait pour lui expliquer ce que c'était, et voilà, pour lui dire que moi aussi, je suis accro au thé, mais pas forcément tisane, plutôt thé, mais j'aime beaucoup le rooibos quand j'ai envie de quelque chose en fait de fort le soir, mais qui reste sans théine pour pas m'empêcher de dormir. Donc j'y ai glissé en fait deux petits tags que j'ai faites aussi avec donc les chutes de mon papier que j'ai accroché avec du masking tape. Pareil donc de ce côté, vous voyez, j'ai accroché avec des petits bouts de masking tape. Donc voilà. Donc ici pour la petite pochette fenêtre donc qu'on ouvre. Voilà, avec le petit ruban. Je refais mon petit nœud. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Maintenant, on passe. Je vais un petit peu refermer. Voilà. Je passe donc à celle du milieu. Donc ici, j'ai juste mis en fait un bout de quelque chose que j'ai découpé qui dit Beautiful Memories, de belles mémoires. Je sais qu'elle aime beaucoup les paperclips. Je savais pas trop quoi faire, mais du coup j'ai fait un petit lacet qui rappelle ce qui est dans la TC. Et du coup j'ai mis dans un petit voilà, un petit trombone, un gros trombone plutôt. J'ai mis du ruban ici. On le voit pas très bien, mais c'est le même ruban en fait qu'on retrouve ici dans les attaches, mais dans d'autres coloris, toujours rose violet. J'ai mis des petits tags en fait 3D, voilà, de chez Action, qu'elle pourra détacher si elle le souhaite et les utiliser. J'ai mis des bling strass ici, que j'aime beaucoup, les bling dots là. J'ai mis donc les blancs holographiques et les roses. Quand on ouvre donc à nouveau, hop, ici j'ai fait trois petites pochettes. J'ai collé des petites fleurs. Ah bah voilà, en fait j'ai trouvé la petite fleur et je ne savais pas. Je ne savais pas d'où elle venait et maintenant je le sais. Je vais la coller plus tard. Voilà. Voilà. Ici j'ai mis donc des petites pinces à linge, toujours dans les coloris du book. Donc voilà, ça pour elle. Ici donc les petits rubans, voilà, des petites cordes, pardon, pas des rubans. Les rubans c'était de l'autre côté. Ici c'est des petits bouts de corde en fait qu'elle pourra aussi utiliser par exemple pour attacher ses tags. Et ici je lui ai mis des petites découpes. Donc papillons, oiseaux, donc voilà. Hop. Comme ça, ce sont des découpes en fait d'un livre de coloriage, enfin de qu'elle pourra colorier elle-même. Moi je les ai coloriées en fait pour ma collection ATC Printemps. Voilà. Et pour finir, donc cette petite pochette en fait que l'on ouvre, hop, ça se décolle, hein, il faut vraiment que je renforce ça, voilà, qui se ouvre comme ceci. Donc ici, j'ai juste mis des petites affiches que j'ai juste en fait tenir avec du masking tape. Et puis ici, donc j'ai fait deux marque-pages, un peu format, un peu comme un tag, mais voilà, un peu plus long et plus étroit. Donc ce sont deux marque-pages que j'ai également accrochés avec du masking tape, puisqu'elle pourra les retirer et les utiliser si elle le souhaite. Et dans les pochettes, en fait, quand on ferme, il y a un tag. Voilà, que j'ai fait. Voilà. Derrière, donc j'ai rien mis, puisque j'ai déjà écrit dans l'autre, en fait. Ce que j'avais à écrire ici, c'est vraiment bah, si elle souhaite elle-même l'utiliser. Par contre, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai tous mes tags et tout mon flipbook. En fait, j'ai mis de l'encre autour pour marquer un peu. Et je trouve que c'est plus joli, en fait. Ça fait plus fini. Voilà. Voilà. Et dans celle-ci, donc je lui ai remis en fait des petites découpes, des petites images comme ça. Voilà. Toujours dans les roses, dans
avec des fleurs, voilà. Donc j'espère que ça lui plaira. Le flipbook donc pour Christelle. Je vais également lui mettre à l'intérieur donc sa carte ATC printemps pour l'échange. Donc je lui mettrai à l'intérieur de la petite boîte. Et voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Ça, je vais les faire tenir avec du masking tape ici aussi. Parce que du coup, je l'ai faite quand même un peu plus grande, la boîte, que ce que je devrais. En fait, j'aurais pu faire que du 3,5 d'auteur. Et ici, j'ai fait du 16,5, il me semble. J'aurais pu faire, par exemple, que du 15. Ça aurait été largement assez. Mais j'ai voulu faire un peu plus gros pour être sûre, voilà, que tout rentre dedans. Et que ce soit pas trop serré, parce qu'étant donné que j'avais des fleurs, je voulais pas trop qu'elles s'écrasent. J'espère que, bah, que ça vous plaît. Et si vous voulez donc voir comment je l'ai fait, que ce soit le flipbook ou la boîte, je vais faire de toute façon, je pense, un tuto pour vous montrer comment faire une petite boîte jolie pour mettre votre flipbook à l'intérieur. Et sinon, bah, là, si vous voulez voir comment j'ai fait le flipbook, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas. Voilà, j'arrête de blablater, je vous montre juste pour terminer, donc Chris Colors, elle adore le coloriage, et du coup, bah, j'ai colorié donc, cet oiseau, en fait, ça vient d'un livre de coloriage que j'ai acheté chez Accent, j'ai montré dans un de mes hauls, avec des pro marqueurs, voilà, comme vous pouvez voir, en fait, c'est moi qui ai colorié, on voit derrière, voilà. Ça, c'était l'image qui était derrière, parce qu'en fait, il y a toujours deux images. Ce qui est un petit peu chiant, parce que du coup, si on veut bah, du coup, découper pour envoyer à quelqu'un un coloriage, bah, du coup, on perd celui qui est derrière. Donc, il faut bien choisir. Voilà. Après, pour le prix du livre de coloriage, 1,99€, j'ai envie de vous dire, c'est pas très, très grave. Il y a quand même beaucoup d'images. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, un petit pouce vers le haut. J'attends vos commentaires. Je répondrai avec plaisir. J'adore lire vos commentaires. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre en fait le lien pour la chaîne de Chris Colors. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Et puis, elle fait aussi de coloriage. Donc, c'est super sympa. Et voilà. Donc, je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.